Sortir à l'extérieur l'hiver lorsqu'on a un handicap peut être très difficile, mais pourquoi pas faire partie d'un club de marche? Audrey, ça va? Oui, oui. Brigitte, ça roule? Chaque semaine, le groupe se rassemble pour un échauffement et une marche d'une heure avec un kinésiologue. On se retrouve avec des gens qui ont de la mobilité réduite, eux aussi. Et puis, on s'encourage à faire tout ça. C'est parti, les amis. On reste motivés, on reste motivés. Doucement, ça va, Brigitte? Tout se passe bien, pas fatigué? Nous, on s'adapte à tout le monde. Parce que la marche, beaucoup croient que la marche, non, si t'as une condition, t'es malade, tu peux pas marcher. Mais des fois, même après des opérations, on marche. Le simple fait de marcher procure plusieurs bienfaits. Surtout au niveau de l'oxygénation, des muscles et tout. Et une personne qui marche souvent, son corps va s'habituer à plus utiliser l'oxygène et va être plus énergétique. La marche est aussi un anti-stress énorme, vu que la marche, elle aide aussi à la production de certaines hormones de bonheur. Même 15 minutes de marche par jour, ça peut avoir des bénéfices, surtout sur l'ostéoporose. Durant l'hiver, les plaques de glace représentent un danger pour la population en général, mais lorsqu'on est à mobilité réduite, le degré de difficulté est encore plus élevé. Mais nous, on ne voit pas ça comme obstacle, parce qu'on voit ça comme un défi qu'on peut surmonter. Nos membres, ils ont besoin de plus de travailler leur équilibre. Donc, les obstacles, ça nous aide à quand même développer une certaine force. Même avec des appareils spécifiques pour nous, ça nous demande beaucoup d'énergie. Et en pratiquant ça avec la marche, avec le club de marche, à savoir comment faire nos mouvements, ça nous rend la vie un petit peu plus facile et agréable, surtout aussi, avec les gens. Le club de marche de Biomax accepte toujours de nouveaux participants. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.